C'est que ta contribution, c'est plus grand que ce que tu fais. C'est seulement 12 pouces par 12 pouces sur un produit final qui sera de peut-être 16 par 20 pieds. Ce qui fait que le contenu du tableau est déjà déterminé. Mais chaque 12 pouces par 12 pouces aura un contenu, son contenu individuel. J'ai des instructions à suivre, mais en même temps, il y a une marge de liberté là, que je peux utiliser pour développer mon idée. You can visually see this. You can visually see different styles and different techniques and different subject matters. And yet, when you stand back, there's a sense of unity in it. And that's exciting to me. And I'm wanting to explore that as far as I can. And right now, I just feel like it's the time to do it. This mural will be our 12th mural that we've done. So it's going to be 231 paintings. Each of the paintings is going to be 12 inches by 12 inches in size. The diversity of artists will range from all along the West Coast, not just in Canada, but even to the US, and all the way from Alberta to Quebec to the Maritimes. So it's going to be an incredibly diverse project. So everyone just celebrating the beauty of the West Coast. Wobbling across, it can have you know, little blues in there, browns, whatever. As long as the majority of it is still that red, and you still have that diagonal in there of some sort. You know what? It would absolutely work. Absolutely, yeah. Now the whole mural is all about uniting us as a community of artists into one spectacular collaborative. And each one of your paintings is going to speak volumes of who you are as an artist. We don't tell you what the big picture is going to be because we don't want you to be led by the design of the mural. We want you to maintain your own voice. Now with that said, we always have to give you little guidelines, which is what is on your boards here for colors and shapes, and we'll let Lewis go into that and give you the little tips on how to work with your colors and shapes. Well, you know, there's several kinds of boards that we have. We actually kind of break it down into like solids and ones with lines in it. So, I mean, what's really great about these boards here is you got these horizontal lines. And so it's very, it right away, without even doing anything, this is a landscape. But what's really great is to break it so it looks less like a landscape and more like something else. So, I mean, there's a lot of things a person could do with it, you know, and you can eat, there's no, I mean, just because this is green and this is red, it doesn't mean you can't bring some of this red up into there and some of the green down. There's a lot of things. I unfortunately, right now, I can't think of anything to paint on there. So I'm going to move on to the next one. This board is not speaking to me right now. There's three of us that work on the murals together. There's myself, of course, and Paul, Lewis's brother, and Lewis. I think we all have this incredible anxiety every time we do these murals because we have no idea if it's even going to work. We started sending the panels out to the artist, and he literally says, "I don't think this one's going to work." So when the designer of the mural says he doesn't think it's going to work, all Paul and I can do is tell him it will work. But I mean, how do we know? We didn't design the mural, so. When the artists do get their boards, they do want to make sure their painting works with the mural. So some can be overly cautious. Like they actually are so careful of the colors we've designated and maybe the lines, and they actually find lines that we didn't even put into the boards, and they start using those lines thinking that they have to use it. We're like, oh no, that was a paint dripping, you know, don't use that. So it's usually more of an overcautiousness on the artist's part. But once the artists get going, that's the exciting part to see, when those artists really push the limits but still make their panel work. Thank you.
I am really nervous about what the final picture is going to be. I'm really nervous to see if all the artists felt that it was worth all working towards this final picture. One of the things I try to do is not share what that final picture is going to be. And there's two folds to that. First of all, if I don't share what it's going to be, I'm hoping there will be less biasness in the panel they're doing. If they see a shape, they're not going to be thinking, well, that's an eyeball to a cowboy or a chuck wagon wheel or something. So if they don't quite know what it's going to be, they have to try to guess what little part it's going to be. The second thing is I don't know what the artists are going to be giving me. So it's a trust relationship. So I'm trusting the artist that they're going to give the community something, and they have to trust in me that I'm going to give the community something. Là, il y a trois sortes de panneaux. Il y en a une. Le premier, c'est un ton, deux tons. Puis le troisième, c'est avec une forme précise. Puis je vois que ceux avec la forme précise, il y a une distorsion dans le dessin là, pour faire entrer une figure précise, mais c'est quand même un tour de force de faire ceux-là. Ceux-là sont plus difficiles, ce qui fait que c'est une plus grande responsabilité, ceux-là. Je veux quand même pas faire de quoi qui rentrerait pas dans la mosaïque. Tu sais, 76, je pourrais voir ça. Est-ce qu'il y a des homards sur la côte ouest? Non. Non, hein? OK. Il y a des crabes. Ah, c'est des crabes par ici. OK. Ça implique beaucoup de monde. Un petit peu comme... un tailleur de pierre fait son morceau pour construire un édifice. Ben moi, c'est un petit peu de cette façon-là que je le vois. Ce qui fait que si je regarde aux panneaux qui restent, les monochromes sont les plus faciles. Tout orange, là, ou bleu. Puis même les deux tons de bleu, ça serait facile pour moi, ça. Les bleus de cobalt avec des bleus de Prusse, là, c'est... ce sont mes couleurs, ça. Mais... qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je ne sais pas. Je pourrais m'arranger. C'est de la réflexion, hein? Il faut y penser. Mais d'emblée, là, c'est les bleus qui m'intéressent, là. Les plus monochromes. Je pense que je pourrais faire de quoi avec ça? 201. Ouais. Même 192. Ah oui, je pourrais m'arranger. Je sens pas que c'est impossible. The last thing I do is after I've designed the whole thing and I cut up the mural, is I send the boards out to these artists and just kind of, it's like throwing them to the wind. With the West Coast, I'm kind of hoping people will paint the old Captain Cook ships in there, but I'm not sure if that'll happen. Some of the old vintage photographs of the community with the canneries and that kind of stuff. We'd like to show the general history of the West Coast, so we want to be very sensitive towards the native communities that are there. I'm hoping to see the natural wildlife there. Things that people, tourists, what they actually come to the West Coast to see and enjoy. I'm hoping some of those things will be in there.
serais très tenté dans l'idée de cette murale-là, dans mon petit carré, de faire un cliché. Au Québec, ben, ils font du sirop d'érable et est-ce que ça définit les Québécois? Non, c'est certainement pas vrai. Mais en même temps, c'est quelque chose qui permet de rire un peu, qui permet aux gens aux dépens desquels les clichés sont faits, finalement, de rire un peu d'eux-mêmes, finalement, parce qu'il y a quelque part un fond de vérité dans un cliché. Un moment donné, il y avait cet Indien qui a l'air las, finalement, des clichés, puis la police montée qui a enlevé son chapeau, tu sais, puis qui se dit... qui pose un peu pour la caméra d'un Japonais et qui dit... Well, le cliché est parfois notre pain quotidien. Et la légende, le titre que je vais donner, c'est « Let's kick out some tenacious cliché et... ». Comme j'ai aussi, dans une autre vie, été directeur d'une galerie d'art contemporain pendant un petit moment, je me suis rendu compte que l'art contemporain, que j'aime aussi, eh bien, donne énormément d'importance à l'écrit. Et finalement, vous pouvez justifier une œuvre d'art avec un annuaire téléphonique complet de la théorie qui soutient le fait que vous ayez planté une ficelle au plafond avec un push-pin, avec une carotte attrapée après. Puis quand vous donnez une claque dessus, la carotte fait ça. Et ça, ça représente le mouvement de l'âme tourmentée par l'appréhension de la mort. Bon. Et puis je me suis dit, je vais me situer exactement à l'antipode de ça. Je vais faire quelque chose de très intelligible. Je vais faire le contraire, qui frise vraiment l'art naïf, qui est vraiment aux limites de l'art naïf, mais un art naïf extrêmement organisé. J'ai inventé toute une panoplie des outils qui réussissent à produire dans mes œuvres une espèce de pixiation, un mélange très serré des couleurs qui en somme génère de l'énergie parce qu'on est dans le monde de la physique. Comme par exemple, vous voulez faire du foin. Alors vous trempez votre lame de grattoir dans la couleur. Puis vous imprimez le foin, mais foin par foin, comme ça. Puis vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Puis vous pouvez tourner comme ça pendant des jours. C'est extrêmement long. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez venir fou, ma foi. Je pense qu'il y a... Parce que c'est tellement long, puis aussi, vous voyez jamais l'effet final avant de mettre le point final. Vous dites, est-ce que je fais ça pour rien? C'est très long. Puis j'utilise aussi... des baguettes de brochettes barbecue. Et ce que je fais, c'est que je mets une couche de couleur, puis je brise la couleur avec ça ici, comme ça. Puis je dépose la couleur, puis je fais des tout petits points. Je ne me vois pas comme un peintre, en somme. Je me vois comme un tricoteux de peinture. C'est un objet que j'adore, parce que si vous regardez des balles de foin à la pleine lune et que vous marchez entre les roches de Stonehenge en Angleterre à la pleine lune, vous avez le sentiment que les balles de foin sont des sculptures, en quelque sorte, qu'elles sont habitées et qui en irradient une vie, finalement, une vibration tellurique. En passant, j'ai été conçu en Colombie-Britannique. Mon œuvre est fondée sur la banalité. Je me suis mis à peindre des gens ordinaires dans des situations extrêmement ordinaires. Mais la banalité, c'est aussi de rouler sur une route et voir que la forêt qui était là il y a deux semaines n'y est plus, qu'on continue à rouler dans des grosses voitures alors qu'on est en train de créer une catastrophe apocalyptique. Et comment un artiste peut-il agir par rapport à l'environnement? Bon. Aller porter son petit sac de recyclage, c'est certain, mais il peut peindre aussi ça. Il peut peindre une coupe à blanc. Il peut dire, OK, voyez-vous, c'est dégueulasse une coupe à blanc. C'est très présent dans nos vies. C'est très mauvais.
l'espèce humaine est d'une bêtise considérable, mais en même temps, elle est d'une innocence complète et mieux vaut lui pardonner, finalement. Hein? Quand on voit les anciennes murales, les murales qui ont déjà été faites, moi, je trouve ça, c'est vraiment, wow! Je sais pas quel mot utiliser, mais je suis vraiment contente d'en faire partie. Ce que je fais maintenant, ce que j'appelle inspiration pure, c'est l'extériorisation d'un état, c'est comme si j'étais en transe quand je peins. La côte ouest, c'est vraiment un endroit propice pour moi. C'est un endroit où je trouve le calme, où je trouve la quiétude. Je dois souvent aller en nature. Je demeure en ville. J'adore les parcs et je dois souvent être près de l'eau. Souvent, je dois être près des arbres. Donc, c'est vraiment propice Vancouver pour moi. Parce que cette inspiration-là, je l'appuie justement dans la relation que j'ai avec la nature. Moi, je suis franco-ontarienne, donc je viens de l'Est ontarien. C'est un petit village qui s'appelle L'Orignal, entre Montréal et Ottawa. Quand je fais mes peintures, il y a un processus particulier que j'utilise. Alors, ce que je fais, c'est que je bâtis moi-même mes toiles en bois. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de créer le relief et la texture. Donc, j'ai utilisé toutes sortes de choses, comme du sable, pâte d'acrylique, papier de soie, papier recyclé, tout, coquillage, un peu de tout. Donc, j'aime aller en nature aussi, trouver des choses, et puis j'essaie, j'expérimente. Ensuite, j'utilise la peinture acrylique. J'utilise aussi la craie pastel. Et puis la dernière étape, c'est une couche de résine de polymère. Donc, je joue beaucoup avec la lumière, le reflet. Ce que je dois essayer de faire, c'est vraiment de suivre les lignes qui sont déjà là, seulement dans le plus foncé, c'est tout. Normalement, je travaille sur plus qu'une toile à la fois. C'est déjà arrivé où j'ai travaillé sur 16 toiles en même temps. Celle-là a été commencée hier. Alors, ce qui est différent, justement, c'est que j'ai la surface au complet avec laquelle je peux travailler. Tandis que celle-là, je dois respecter ce qu'on m'a donné. Alors, moi, je dois avoir vraiment les mains dans la matière. Alors, je laisse aller, j'applique. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, je ne sais pas du tout ce que je vais voir. Et c'est pas important. J'en ai besoin. C'est ma drogue. c'est vraiment ma drogue. Ouais. Quand je peins pas, il me manque vraiment quelque chose. Ouais. Je pense que j'ai un petit peu de difficulté à définir mon style, à définir ce que je fais. Certains disent que c'est abstrait. D'autres, non. Donc, moi, j'ai de la misère à mettre une étiquette, puis je sais pas si je veux aussi définir ce que je fais, parce que ça peut changer. Et ça change. Starting is kind of the hardest thing, so I like to kind of work out my painting sometimes. So what I'm hoping to do with this is the old growth forests that grow along the coast. So I'm thinking of
there's this shape in here like this that kind of goes like this. And this is kind of the key shape that I'm wanting to pull into it. Whatever this other shape is, it's going to be my background. So this is really the main thing I'm focusing on. So I'm thinking of something that's a little bit, it's not quite a totem, but it's kind of like symbolic of a totem. Like when you're hiking around the coast, you're kind of hoping to kind of stumble across some old totems that were abandoned or kind of forgotten, and they're grown with a lot of different vines and moss and stuff like that. So I'll have to kind of work that in a little bit into this. So up higher up, I'll have more of the detail. But I want to be respectful. These are actually symbols of real things that are sacred to people. J'ai toujours dessiné des visages qui étaient d'apparence autochtone, mais sachant dans mon intérieur que oui, c'était dans mes racines, mais sans aucun exemple. Je veux dire, je pouvais pas avoir aucune référence autour de moi et dire « Ah, c'est telle personne » ou « C'était toujours un fruit de mon imagination. Ouais. » Mes origines sont d'origine crie, du côté de mon père. Ben, moi, j'ai grandi comme un Québécois, avec la Saint-Jean-Baptiste et toutes ces choses-là, mais j'ai toujours su d'où les origines de mon père, d'où ses ancêtres venaient, mais sans plus, on n'en parlait pas, c'était pas quelque chose qui était discuté. Quand je suis parti du Québec, comme tout le monde, je suis naturellement allé vers Vancouver. Et puis j'ai vu qu'il y avait l'île de Vancouver, avec la ville de Victoria, Nanaimo, les gros noms qu'on reconnaît souvent, mais j'ai commencé à voir des grosses enseignes qui disaient « Chemainus, Mural Capital of the World, Most Famous Murals ». Et puis j'ai été tout de suite attiré, curieux, parce que les murales ont toujours été tellement importants dans mon inspiration. J'ai toujours aimé les muralistes, les gens qui faisaient des grosses peintures, des gros projets. Mais j'ai décidé d'arrêter en m'en allant vers Victoria. Le même jour, je baragouinais mon anglais. J'ai été invité à un powwow la journée d'après, sans savoir où ça me mènerait. Ça a pratiquement changé ma vie. Mon processus de création vient souvent d'une thématique ou d'une idée, d'un concept plus grand que juste une peinture. Souvent, je commence avec une idée, puis je développe sur cette idée-là en essayant d'aller le plus loin que je peux. C'est jamais juste en faisant une seule peinture ou un seul sujet. Puis quand j'ai reçu le panneau, j'ai tout de suite vu la lumière de la nuit. Quand la lune est pleine, la lumière de la nuit qui est bleue. Là. Puis j'ai tout de suite vu la... Je voyais une personne, un aîné, qui regardait un peu à son identité, à l'ouest aussi. Parce que si tu regardes au niveau de la construction du panneau, c'est l'ouest. Ce côté-là du panneau, c'est l'ouest. Il y a le côté de l'est qui regarde vers l'ouest. Donc, ma vision un peu de mon interprétation de la côte ouest. Et puis, tout ça dans la lumière de la nuit. C'est ce que je vais essayer de représenter, mais là, c'est juste
au début. C'est juste un petit dessin. Oui, les aînés ont une grande, grande place dans ma vie. Je dois avoir des choses à apprendre, j'imagine. Ben, ma dernière exposition, c'était pour raconter l'histoire de la disparition des bisons d'Amérique du Nord. Mais plus encore, l'effet sur les gens, sur moi-même en premier. Et puis, le plus j'apprenais sur l'ampleur du drame, le plus je réalisais que tout le monde avait été touché par ça, que ça n'avait pas rien à voir avec le fait d'être autochtone ou métisse ou blanc ou noir. C'était vraiment que y a une culture qui s'est perdue avec l'animal. Puis c'est ça qui a vraiment influencé ces peintures-là. J'ai déménagé en Colombie-Britannique pour ça. C'est la raison qui m'a fait bouger. C'est vraiment de pouvoir m'immerser dans la culture. En étant le plus loin possible de toutes mes influences québécoises, d'être capable de m'immerser dans la culture autochtone, puis en tant qu'artiste aussi. Je veux dire, pour moi, ça a toujours été la recherche de la compréhension de ce que je faisais en tant qu'artiste. Puis sans le savoir, c'est moi-même que j'ai retrouvé. I think when you got a clean studio, you got too much time on your hands. I feel schizophrenic half the time as an artist because I'm doing so many different styles and so many different things that that I look at these guys who only paint this one style and they use a technique that is only unique to them. And all the galleries acknowledge them for it. And it's hats off to them. And they have that voice and they know what kind of boundaries to push just within their framework that they've given themselves. But me as an artist, I find that there's too many things I want to play with and try and experiment and explore. And I'm also wanting to do art that appeals to me more so than what would appeal to maybe the group of people that are considered the leaders of the art community. These are some of my paintings that I started a few years ago, and it was, you know, a lot of it were done on the West Coast. I sat there and I did lots of paintings and sketches, and I spent, you know, literally all my summers out there. I'd just jump in my vehicle and drive out there and just kind of camp in this area. I'd go up to Tofino and I'd go down to Iqaluit and you know, the Cathedral Grove, and just spend hours drawing in that area. So I started to create my own content where I can put these places I love. And that's where a lot of this stuff stems from. It's the biblical story of Noah's Ark and the flood. And I figured there was 1,000 years before that flood happened. What did the people look like and how did they live in that world? And because it's no longer around, and as far as I'm concerned, there's probably no archaeological evidence of that world. So I can create as much as out of my imagination of what that world might have looked like. I was thinking that this is an advanced group of people. And the last thing they would do is it would allow their technology to control them. They understand that. I think we as a society don't understand that. We just create technology because there's a source of economics in it for us. And we have no idea what the consequences would be. And I stand here thinking, I can't stop that technology. And I don't believe there's one group of people that could ever stop the progress of technology. It's clearly out of our hands. We can live like a hermit, I think. That's the other option, live as a hermit and kind of say, I'm not going to have anything to do with it. Oh, wait a second, my cell phone's ringing. You know, like, so somehow it's part of us. And so this is the world I wanted to explore, is a world that understands not allowing that technology to have more control of them.
And that's kind of, I think, where the balancing point is at what point do you allow technology to control you, and what point do you allow you control it? Any sense of place, to me, is really, really important to humanity and to the future of the planet. And a sense of place is what is disappearing. And I think this is a dreadful trend, because if you don't have a sense of place, how can you feel in your heart, care about your place, make sure it's not polluted, make sure that it's beautiful to live in, and make sure that you're engaged with it? Salt Spring is, it's got this small, kind of down-home, simple feeling, like the charming world used to be, is still here. There's a sense of trust. The roadside stands, which are all over Salt Spring this time of year, honor system, picking up fruits and vegetables. Just leave your money and take what you've paid for. I remember one time when we lived over at Fulford Harbor, I was in the car going into Ganges to do some shopping, and I paused at the corner, and the postmistress came out and told me I was wanted on the telephone. And it was my wife to say, "Don't forget to get potatoes." So it's that kind of feeling is still here. Art is an evolving thing. If you go back 100 years ago, it seemed like the salons that were selling art were more or less selling things for a certain group of people that would buy it. And now that group of people has changed so much. You know, suddenly a movement will come, and all the art galleries are saying, well, this is what we consider great art. And there's people over here that are painting something that the masters were painting years ago, and nobody's interested in that stuff. And so art's really, it's a hard thing to put your finger on and say, this is what makes art, or this isn't what makes art. This whole question of what is looked down upon by the art establishment or up to by the art establishment, it's the least important issue facing the planet. Who cares about who looks down upon this or up upon this? And there's so many kinds of arts as there's so many kinds of music. You can love reggae and you can love Beethoven's Ninth at the same time, which I happen to do. It's almost unknown in the history of certainly 20th century art museums for them to have an exhibition of wildlife art in the art museums. The great Chinese dynasties, the Song Dynasty and others, Japanese traditional art had wildlife in it, Egyptian traditional art had wildlife in it, all the other cultures I can think of, Haida culture, Aztec and Mixtec and so on, they all had wildlife as a normal part of their art. Then all of a sudden, wildlife became kind of strange. It was not really part of the main world. Domestic animals were okay. So you could have mules and dogs and sheep and that kind of thing. But showing an animal eye to eye with respect was just not done. If you showed wildlife, you usually had to show it hanging up by its legs with a bunch of grapes ready for the table, or a quarry at the end of a spear. So it was man's dominion over all other living things and putting it down in its place. But there's been a resurgence in the 20th century, I'd say pretty well the 60s, and I don't know, maybe the Flower Children and that whole thing, a resurgence, and that's when these movements started to protect nature and to save the whales and all that kind of thing.
And now, in the mainstream anyway, people are very conscious of wildlife. And you can almost get into iconography. I read some woman's thesis, a California scholar, who said that it used to be you put a crucifix on the wall to show that you were a good person, and now you put a panda on your t-shirt to show that you're a good person. I get asked to do a whole bunch of things, but I thought this was an excellent project to be involved with, and was something that I thought would make a contribution, something that would be fun to do. Well, the paintings start here. I firmly believe that the most important thing in a piece of art is the thought. So when I was given a little square of board with the color and everything already on it suggested, so this is black and purple. So I said, oh, okay, that's just, that was instant, just popped into my head. Those shapes could be the dead twigs inside a Douglas fir tree. And I'll put a raven there, sort of black against black. But there'd be little flashes of blue sky, nighttime sky showing through, and a couple of stars flickering in it. I haven't yet decided whether I'm going to make the raven asleep or awake. Well, it should look realistic from a distance. It's easy walks with a dog. I'm still a lot more impressionistic than people think I am. I want to give the illusion of reality. Not bad. Je sentais depuis longtemps que je voulais changer certaines choses. Donc, je pense que ce projet-là, ça a été un envol vers une nouvelle technique. Et puis, j'adore. Ça fait longtemps, moi, que je suis fascinée par les Premières Nations. Donc, c'est pas seulement parce que ça fait partie de la Colombie-Britannique, mais c'est aussi une partie de mes passions. Je regarde le temps qui reste. Il me reste pas beaucoup de temps. Je veux l'avoir terminé pour dimanche. Ça fait depuis peut-être 4 ou 5 ans que je suis ici avec la Galerie Windsor. C'est venu l'année où il y a eu le congrès sur l'art et la santé. Ben, parce qu'il y a un côté de moi qui est un psychologue pour enfants, qui traite les enfants ici en santé mentale au Nouveau-Brunswick. Puis l'autre côté, c'est le peintre. Fait que je trouvais que les deux... J'ai été interpellé doublement par le colloque. Puis en passant devant la galerie, il y avait une exposition qui était intéressante. Puis j'ai rentré, puis j'ai été bien accueilli. Puis, ça dure depuis ce temps-là. Le travail que je l'aborde le plus, c'est souvent relié à la nature, le rapport de la personne avec la nature, le rapport de la grandeur de la nature versus la petitesse de l'humanité. Puis peut-être j'aime beaucoup tout ce que vous avez filmé là, c'est ça. Je sais pas quoi dire. Dans mes tableaux, ça se manifeste par la disproportion. C'est-à-dire, les arbres sont gigantesques par rapport à la personne. Un peu peut-être pour dire ça, qu'au lieu d'influencer la nature, on devrait peut-être l'accepter comme elle est.
parce qu'elle est beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'on perçoit. Bien, quand j'ai fait ces tableaux-là ici, je venais de finir d'écrire un texte dramaturgique. Puis, on dirait que c'est que j'ai recommencé à peindre en rentrant par la côté théâtre. Puis, en pensant aux Haïda qui faisaient des représentations, en portant leur masque, puis en personnifiant un animal ou une créature abstraite. Mon but n'était pas de documenter l'art Haïda, par exemple. C'était plutôt d'y faire référence. C'était plutôt comme un hommage, plutôt qu'une description exacte, parce que les rapports de proportion ne sont pas exacts. Puis c'est l'émotion, je crois, qui est importante dans le tableau, plutôt que de l'exactitude des détails. C'est une émotion qui est... où ce qu'on voit la nature géante par rapport à la personne. Puis aussi, c'est communautaire, parce que c'est une représentation qui se fait pour les communautés adjacentes ou voisines qu'on accueille, puis qu'on fait des cérémonies d'accueil, de bienvenue. So, here's your piece? Yeah, this is the piece. Oh my God. Yeah. So, I love what you do with it in the end. You put that kind of glass, you melt like glass all over it or something. It's resin. It's polymer resin. Oh, is it? Yeah. Yeah, it's polymer resin. Oh, you've just spoiled my... I'm here, I'm thinking you got a torch and you're melting a glass and it's dripping all over it. Well, I use a heat gun. Oh, do you? Yeah, okay. I do use a heat gun to let the bubbles burst. Oh, okay, yeah, after the, yeah. Just, this is so beautiful. It's so beautiful. I mean, it's just a beautiful piece of art. And I just love the different fishes and the shapes in there. Yeah. I was in the middle of doing this Land of Nod project. But I was also doing these murals. I had a few of them that I was working with the community in that. And I realized that right now is this time I got to seize that opportunity to really see where I can go with those murals. There feels like there's a bigger need for that. Like to really work with communities, I think it involves all of us. We're all part of a community. And I don't think it comes natural. I think when I think of community, I'm more of the loner in the community. And I kind of sit back and I observe things. That's how I feel in the community. But I understand how important it is in my life, and I understand how vital it is to have certain people understand that we need to work as a community. I don't know if it'll ever bring unity, but you can visually see this. You can visually see different styles and different techniques and different subject matters, and yet when you stand back, there's a sense of unity in it, and that's exciting to me, and I'm wanting to explore that as far as I can. And so I'm thinking we may forget what community is all about, and so by creating this artwork, it's speaking to me personally, and so I'm getting a lot out of it. Like I'm looking at it, I'm going, okay, this artist really didn't fit in. What does that say about the community? There's always one person that doesn't fit in. And so by one artist not following the rules and kind of the guidelines, there's a lot of artists that are affected by it. And so when you kind of think of the metaphor in life, you know, this is the person that ends up going, going to jail. The thing is, he gets way more attention than the rest of us. That doesn't look right, Paul. Lois, I presume. Claude, I'm very glad to meet you. I'm very looking forward to seeing your panel. Oh, but you know, it's pretty stressful. I hope that will fit in your business, because it might not. Well, let's have a look
Oh my God. Da-da-da-da-da-da. Mwah. This is superb. This is superb. This is fantastic. We've yet to have the logging industry represented in the mural. Well, it's and that's, done. Yes, and this is great. Well, I was wondering what you would think about it. It's so detailed and so it's sparkling. It's just beautiful. It's made with wooden barbecue skewers and razor blades. And no paintbrush. No paintbrush. No, but it looks like etching, do you? It does, it does. It looks totally like an etching, like a... Uh-huh. This is great, I love it. I love it. And the color is gonna work perfect in the mural. Yes, yes. Le métier de peintre, c'est un métier solitaire. Participer ensemble, créer une murale et de pouvoir voir 300 impressions et d'éventuellement rencontrer ces personnes-là est quelque chose qui te permet justement de sortir de ton atelier puis d'enfin avoir une bonne conversation avec quelqu'un qui doit certainement partager tes problèmes. T'sais. Est-ce que vous faites-vous des cauchemars quand vous ratez une peinture? Est-ce que vous, comme moi, est-ce que vous vous découragez parfois? Voulez-vous vous flinguer parfois? Voulez-vous... comment est votre ego? Est-ce que vous... Aspirez-vous à finir au Guggenheim Museum? Est-ce que vous... comment avez-vous réussi à civiliser votre ego dans votre pratique? Et finalement, je suis certain que toute cette que tous ces échanges-là seront une nourriture que 300 personnes qui vont retourner dans leur petit coin chez eux après vont garder comme un enrichissement énorme et faire des contacts aussi. You know, thank you guys so much. I mean, these guys are the ones that created this mural. There's other artists that were involved, but this is a collective group effort, you know. So we'll count down backwards from 10 to 1, all right? So. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans cette hiérarchie de l'art, finalement, la murale est loge parfois au bas de l'échelle. C'est qu'au fond, la murale, c'est un instrument de communication qui permet d'avoir des connotations politiques ou à message. Et je pense que le message qu'on veut lancer dans cette grande aventure-là, c'est un espèce de message de solidarité d'artistes, finalement. D'une communauté d'artistes. Et on va le montrer. Hein? Bon, on va voir s'il y a de la puissance là-dedans. La première fois où j'ai vu une baleine sauter, je me rappelle, je toujours me rappeler les frissons de voir une baleine sortir de l'eau. Puis de dire, wow, je veux dire, il n'y a pas d'expression, d'émotion qui peut décrire comment c'est majestueux. Puis d'arriver de dire que moi, j'ai fait une peinture qui représentait ce que moi, me touchait de la Colombie-Britannique. Les baleines qui viennent échouer sur les côtes viennent nous dire que il y a un problème dans l'océan. Ils viennent nous avertir qu'il faut faire quelque chose pour parce que les prochains, ça pourrait être nous autres. Puis ça fait que le symbole de la baleine est fort.
Je pense que ça dépasse la communauté. C'est plutôt la Terre comme communauté là, qui vient nous dire, les baleines viennent nous dire qu'il faut faire attention. Juste de voir ça aussi, c'était... Il y a beaucoup d'émotions qui sont venues en même temps. De voir mes panneaux qui faisaient partie de ça, mais aussi les différences dans les styles. Moi, j'ai trouvé ça absolument hallucinant. Quand ce panneau-là a été posé sur le mur, je me sentais comme un poisson hors de l'eau qui est mis dans l'eau avec les autres poissons.